Zombie Apocalypse. Yes, it was a good year for running an inn. The guests were drinking and having fun, and spreading the news about us all across the land. Our faithful employees were working hard, no matter how many exotic foods and drinks we ordered them to prepare. And although sometimes tiny problems might have presented themselves here and there, all's well that ends well, right? Yes, it was a good year for running an inn. Some lovely pets and awful pests visited us. And we invited all sorts of clientele to our secret pit for some more unusual entertainment. Then the gods sent us prosperity, arriving on hooves and by wagons. And to repay the gods for their kindness, we made sure they'd find watching over us pleasurable. Yes, it was a good year for running an inn, maybe even the best one yet. So come on, don't be an arse, and join us in the Jolly Inn. After all, the anniversary edition of the game is coming this fall, with all of its glory and DLCs. You don't want to miss that, do you? Et salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc sur la présentation d'un nouveau jeu qui s'appelle Crossroads Inn. Je vous ai mis, comme d'habitude, comme j'aime bien le faire, avant de vous faire une découverte, je vous ai mis le trailer qui vous en a déjà dit beaucoup sur le contenu du jeu et que je trouve qui est un trailer, pour une fois, à peu près représentatif de tout ce qu'on va pouvoir trouver dans le jeu. Donc, comme vous avez pu le voir, vous avez des jeux de base et vous avez aussi des DLC que vous pouvez ajouter pour pimenter un peu plus votre gameplay. Donc, déjà, c'est un jeu qui est situé à l'époque médiévale. Je vous avais promis de vous en trouver. Je vous ai trouvé Castle Flipper. Ensuite, il y a Medieval Dynasty. J'essaye de voir un petit peu ce que je peux vous trouver au niveau médiéval. Mais c'est pas si évident que ça parce qu'il n'y en a pas énormément, mis à part Kingdom Come, Deliverance ou A Plague Tale Innocence, qui sont les deux tops, si on peut dire ça comme ça, du monde médiéval. Mais il y en a quand même des petites pépites comme ça, et celle-là, franchement, j'étais passée à côté. Donc, on va le voir ensemble. Alors, c'est un jeu de simulation d'auberge médiévale, où l'on va devoir développer notre auberge, satisfaire les clients, sachant qu'il y aura plusieurs classes de clientèle, qui auront chacun des goûts différents, monter notre réputation, remplir des objectifs, et bien d'autres choses. Parce que c'est pas seulement qu'un jeu de simulation gestion, c'est aussi, il y a un côté RPG dedans, vous allez avoir des quêtes, des objectifs, du commerce à faire, vous allez avoir des PNJ qui sont cool, d'autres qui sont moins cool, va falloir voir de quel côté de la balance vous allez vouloir vous mettre pour faire évoluer votre taverne de façon à ce qu'elle ait la meilleure réputation du pays. Et ça, par contre, ça va être beaucoup moins simple parce que franchement, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à gérer, il y a entre les scénarios qui vont se glisser, les missions qu'on va devoir faire, etc., etc., on ne sait plus où donner de la tête. Et depuis que j'ai découvert, franchement, je prends un vrai et un réel plaisir à y jouer. Il est en plus truffé d'humour, donc je sais pas, vous allez voir vos clients complètement bourrés, ne serait-ce que les phrases qu'ils disent, vous allez voir au niveau des bulles qu'il y a au-dessus des têtes des gens, il y a énormément d'humour dans ce jeu, et je trouve ça assez sympa et très représentatif de l'époque. Vous avez pu voir dans le trailer, selon le jeu que vous avez, il y a des DLC qui sont en rapport avec le jeu et l'époque médiévale, donc il y a les... On pourra dire qu'il y a des... vous pouvez déjà le faire dans le jeu propre, sans les DLC. Vous allez pouvoir mettre des salles secrètes de jeu, des salles secrètes pour faire des combats. Vous allez pouvoir mettre... Il y aura aussi comment on appelle ça les, vous allez avoir des orgies, façon de parler, si vous mettez le DLC. Il y a des DLC. Il faut regarder juste les DLC qu'il y a sur Steam. Il y en a quelques-uns. Et franchement, ça pimente énormément le jeu. Moi, personnellement, j'ai la version anniversary de ce jeu. Je n'ai pas pris les DLC puisque je tenais d'abord à découvrir le jeu. Et au niveau... Pourquoi
la version anniversary, vous allez me dire, tout simplement parce qu'il y a deux versions sur Steam. Vous avez la version Crossing Worlds Int, je dirais, entre guillemets, normale, et la version anniversary. Le problème étant, c'est que la version Crossroads Inn, que vous avez, la version simple, basique du jeu, est truffée de bugs, hélas. Donc les développeurs ont préféré sortir une version anniversary avec le correctif des bugs. Pour avoir discuté avec différents amis streamers, eux ont des bugs n'ayant pas la version anniversary que moi je n'ai pas. Donc si j'ai un conseil à vous donner et que le jeu vous plaît, prenez-vous la version anniversary. Le jeu n'est pas excessif, faites différentes plateformes et vous allez voir que moi le mien personnellement je l'ai payé à 9,99€. C'est pas énorme pour un jeu comme ça et franchement il y a tellement à faire que c'est sans aucun regret. Le jeu donc est disponible sur Steam en deux versions. Comme je vous ai dit, je vous conseille la version anniversary. Il est développé et édité par Clabater. Au départ, vous serez obligé de passer par le tuto si vous souhaitez ensuite débloquer les autres modes du jeu. C'est-à-dire que vous avez la campagne, le sandbox et le mode scénario. Ne vous inquiétez pas, le côté sandbox du jeu, ce n'est pas une version où on fait ce qu'on veut comme on veut. C'est pas de la construction pour le plaisir de faire de la créativité. Pas du tout, c'est tout simplement un autre moyen de jouer. Par exemple, si je vous montre ici, si je clique sur Sandbox, vous voyez, il y aura différentes façons de jouer. Donc sans souci, vous aurez idéal pour les joueurs qui commencent tout juste à connaître ce genre de jeu. Il sera également apprécié par les joueurs expérimentés qui veulent laisser leur imagination vagabonder. Ce mode offre plus d'or et d'objets au départ que les autres. Donc au début, vous partirez avec une renommée de 20, avec les Gulden qui sont l'argent du jeu. À cette somme-là, vous aurez toutes les installations et toutes les recettes déjà disponibles. Oui, parce que sur la carte, vous allez devoir débloquer des recettes. Au début, vous n'avez pas tout. Or, dans ce mode-là, sans souci, vous avez tout qui est débloqué. Donc, vous pouvez commencer, par exemple, à jouer là, mais il faut d'abord passer par le tutoriel qu'on va faire ensemble. Après, vous avez le mode bienveillant qui vous permet d'avoir une renommée de 10 au départ. Vous avez 50 000 golden. Vous avez les installations de base, donc il va falloir aller sur la carte, débloquer des objets. Vous allez envoyer vos PNJ apprendre des recettes ou les envoyer en mission pour pouvoir trouver ces objets-là. Et vous aurez 4 recettes à votre disposition. Après, vous avez le mode normal où vous partez avec une renommée de 1, mais qu'avec 35 000 golden. Vous avez les installations de base et les recettes de base. Et ensuite, le mode exigeant, c'est un mode difficile. Vous avez une renommée de 1, vous n'avez que 20 000 golden. Vous avez les installations, les recettes de base. Donc faites attention quand vous aurez fait votre tutoriel pour bien prendre le jeu en main, de bien choisir à quel niveau vous voulez jouer. Voilà. Alors je m'excuse, j'ai les fenêtres ouvertes, donc il y a un petit peu de bruit, mais il fait 30 degrés. On est le 30 mai quand je tourne la vidéo. Il fait 30 degrés, il fait super chaud, donc ça fait du bien, mais vraiment, entre un coup il pleut, un coup il fait beau, donc ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit, des avions, etc. J'en suis désolée, mais il fait chaud. Donc on va partir sur le mode tuto, puisque moi je l'ai débloqué, mais vous serez obligé de le faire. On est sur la version 3.0.7 du jeu, comme vous pouvez le voir ici en bas à droite, et on va partir sur le mode tuto, parce que sinon vous n'aurez pas accès au mode sandbox ni au mode scénario. Donc je vais faire ce tuto en plusieurs fois parce qu'il est long, à faire. Donc je pense que je vais le faire en 3 parties. Donc on va faire la première partie ensemble. D'abord je vais vous expliquer ce qu'on voit à l'écran, etc. Si on a un petit peu de temps dans cette première partie, on commencera le tuto. Sinon, ben, on passera dans la partie 2 au tutoriel direct et partie 3, le final du tuto. Mais il est vraiment très long parce qu'il explique que tout. Donc c'est parti, on y va. Il va y avoir une cinématique. Je vais vous la laisser passer. La première, il n'y aura pas de sous-titres, alors je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, ça va s'enchaîner avec une deuxième cinématique qui, elle, sera avec des sous-titres FR parce que le jeu est effectivement en français. Donc, on est parti. Delcris, a continent where three rival kingdoms are fighting for dominance and gold. For many centuries, one has always had the upper hand. Yorveh. With its prospering cities, it has the economic strength to challenge the trade power of southern Sambria. And with its city's high walls, it can withstand the military might of Untermarch, neighboring to the east.
But the golden age of Yorvale is nearing its end. And a sudden tragedy, the death of the wise and just King Owen, marks the beginning of a new era. The kingdom is left without an heir, and everyone is whispering about foul play. But no one dares to say it aloud. And so Yorvale has to choose a new king, while the schemers in the capital look at the empty throne and see only a ladder. Prince Arthur Rockbury, a well-known debauchee, has cornered the Yorvale's wine trade, and in his life of pleasure, he has only one objective: to secure his privileged position by any means necessary. The dangerous Countess Eliza Devon. As the king's mistress, she had an established position in the royal court, but now will align herself with anyone who will help her retain her status. The army's commander, Judine Montre, is a disciplined leader with unparalleled focus. For years, she would use every occasion to try to rekindle the conflict with Untermarch. And now she's been given the perfect excuse. The cunning Chancellor Muvald Trovin is the master of the royal treasury. He controls the movement of coin throughout the realm and will use every opportunity to enrich himself, because to him, gold is power. Meanwhile, in a village at the edge of the kingdom where the trade routes cross, a young man prepares to take on the mantle of a local barkeep. Knowing nothing of his lineage, he cannot foresee the importance of his small tavern at the crossroads. King of Yorvale was found dead in his chambers. The whole kingdom went into mourning. His death surprised all, for until then the king had enjoyed excellent health. It had been widely believed that his reign would be long and fruitful. The investigation was short, and the official statement declared heart disease to be the cause of death. But people knew. They remembered how the royal children had died in mysterious circumstances while still young. And so they started talking, albeit quietly, about a conspiracy to kill the king and his dynasty. Meanwhile, at the southeastern end of Yorvale, far away from the big world of politics, in a small town, a young lad was preparing to take over his uncle's inn. Martin Brevet was getting old, and he still had a few things he wanted to teach his nephew. Ok, donc on se retrouve au départ du tutoriel. Donc je pense que dans la partie 1, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu le menu du jeu. Dans la partie 2, on partira dans le tutoriel, et dans la partie 3, on continuera jusqu'à que vous voyez un petit peu ce qui se passe et ce qui va expliquer. Le tutoriel va non seulement vous apprendre à manier le jeu, mais aussi à comprendre ce qui se passe, pourquoi vous allez démarrer comme ça dans le mode scénario, dans le mode sandbox ou autre. Mais il faut vraiment passer par le tutoriel. Alors, ce que je vous propose, c'est dans cette première partie, on voit déjà, vous avez pu voir déjà dans le trailer, une grosse partie de tout ce qu'il y avait dans le jeu. Ensuite, l'explication, le roi est mort, patin couffin, il va y avoir tout un système de ragots, etc. Et aujourd'hui, donc notre oncle, nous, son neveu, nous devons reprendre l'auberge. Il va nous léguer donc son auberge. Alors, au niveau ici, comme vous pouvez le voir, vous avez donc la possibilité, comme tout jeu de gestion, stratégie, etc., de mettre votre jeu en pause. Ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que vous allez avoir beaucoup d'actions à faire, et si vous ne mettez pas votre jeu en pause, ça va passer le temps, et le problème est que vous risquez de rater des choses. Alors sur la gauche ici, vous pouvez voir
ici une étoile, donc c'est la renommée de votre auberge. Il va falloir la monter en faisant des actions, en décorant votre auberge, en rendant vos visiteurs heureux, etc. Votre renommée va monter. Ici, au tutoriel, vous débutez avec 5000 guldens. Ici, vous avez le nombre de vos invités. Ici, vous avez des petits rouleaux de parchemin. Donc, ce sont des rumeurs économiques. Ici, ce sont des rumeurs politiques. Ici, ce sont des potins de randonneurs. Ça, ça va vous permettre, par exemple, sur la carte, à avoir des réductions. Quand vous allez commander des marchandises chez un marchand, vous allez pouvoir utiliser ces parchemins-là de ragots qui vont vous permettre d'avoir des prix un petit peu plus bas de transport parce que ça coûte très cher. Mais pas que, vous allez pouvoir aussi découvrir des traits cachés de vos employés avec d'autres rumeurs, etc., etc. Les rumeurs se gagnent comment? Grâce à vos employés qui vont dans la taverne papoter avec les clients ou plutôt en passant le balai d'une oreille, écouter ce que les clients se racontent et ça va vous faire monter les petits parchemins de rumeurs selon ce que la clientèle parle et selon la clientèle que vous avez. Au niveau de la clientèle, au départ, vous touchez les opprimés. Petit à petit, vous allez changer votre clientèle par rapport à un arbre de compétences qu'on va voir. Et au début, donc c'est les opprimés. Ensuite, vous avez les bourgeois, vous avez la noblesse, vous avez les hors-la-loi. Et ici, vous avez les randonneurs. Sachant que chacune de ces catégories a des besoins, autant alimentaires, autant au niveau de l'alcool, ils n'aiment pas tous la même chose. Ils n'aiment pas tous la même chose au niveau décoration. Par exemple, les opprimés, eux, ils aiment, c'est les plus pauvres du jeu. Ils aiment plutôt les décorations dites festives, les lumières, les guirlandes, les machins, les trucs, enfin la fête quoi, pour essayer de se changer les idées. Par contre, les hors-la-loi, eux, préfèrent, comme on peut l'imaginer, être dans un endroit plutôt un petit peu sombre, pas trop éclairé, avec des décorations du style crâne, chaîne, etc. Hein, c'est des hors-la-loi. Mais ça, de toute façon, ça vous est indiqué petit à petit. Les randonneurs, eux, vont avoir besoin, par exemple, que vous construisiez des chambres, voilà, des chambres, des dortoirs, par exemple, où ils vont pouvoir, les randonneurs, c'est des randonneurs, hein, ils trottent sur la map, ils viennent dans votre auberge, et qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils vont vous demander des chambres, donc vous faites un grand dortoir, etc. Les nobles, ils vont aimer les choses beaucoup plus raffinées, les bourgeois, exactement pareil, d'autres vont aimer le vin, d'autres vont aimer le cidre, d'autres vont aimer... Voilà, il y a tout un tas de critères qu'il va falloir prendre en compte. Ici, vous allez pouvoir, quand vous aurez un étage, parce qu'il est possible de faire un étage. Donc, vous pourrez ici monter au niveau supérieur. Donc, au niveau du terrain lui-même, il ne comporte pas énormément de cases. Alors, on a pu voir que dans le trailer, vous allez pouvoir aussi élever des animaux. Pourquoi? Parce que ça va revenir moins cher, par exemple, que vous ayez un poulailler. Les poules, elles font quoi? Elles font des œufs. Vous avez des recettes à base d'œufs. Et tout simplement, au moins, vous avez votre poulailler et vos propres œufs plutôt qu'aller les acheter sur la carte avec des commerçants. Il va falloir jongler. Déjà, regarder sur la carte les prix les moins chers par rapport aux recettes que vous avez. Il va falloir aller sur la carte chercher des recettes. Envoyez vos employés découvrir de nouvelles recettes, envoyer vos employés faire des missions. Enfin, il y a tout plein de choses à faire, mais on va le voir petit à petit. Donc ça, c'est au niveau de l'onglet ici à gauche. Donc n'oubliez pas, vous avez la vitesse normale et vitesse accélérée. Alors, il n'y a pas énormément de différence entre la vitesse la plus rapide et la vitesse normale. Vous allez le voir, il n'y a pas énormément de différence. Mais bon, il faut penser à mettre assez souvent son jeu en pause. Non seulement pour voir ce qui nous manque et pouvoir commander sur la map. Attention aussi, quand vous allez passer vos commandes, vous avez des voleurs. Les voleurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Votre marchandise, vous allez commander, vous allez payer. Et le problème, il est que votre marchandise, les voleurs, ils vont peut-être vous la piquer. Vous l'attendez, vous ne la voyez jamais arriver. Donc, vous avez la possibilité aussi, mais on le verra, de pouvoir, grâce à ces petits rubans, demander une escorte de façon à ce que votre marchandise arrive bien à bon port et que vous ne voyez pas votre argent vous filer sous le nez parce que les voleurs vous ont piqué votre marchandise. Alors, au niveau du premier plan, on peut voir une auberge qui est de base. Ici, vous avez les toilettes, le puits
Et ça, ce sera extrêmement important quand vous passerez en mode sandbox, mais ça, on le verra. Alors ici, vous allez avoir tous vos objectifs, les informations, vous verrez, ça clignote quand on a besoin, et ça vous dira ce qu'il en est. Ici, donc, vous avez le mode de compétition, si vous avez un mode de compétition. Ici, vous avez la map, voilà. Donc, au début, elle peut paraître petite, mais elle n'est pas si petite que ça. Alors, vous êtes, par exemple, votre auberge est ici. Donc, vous allez avoir besoin pour vos recettes, etc., d'aller acheter chez des commerçants. Ici, vous avez trois petits onglets. Donc, si vous cliquez ici, ça va vous afficher les ressources actuellement disponibles sur votre map. Évidemment, plus vous allez avancer dans votre jeu, plus vous allez en débloquer. Vous allez voir, votre map va s'agrandir. Mais attention, vous ne pouvez pas acheter partout parce que les routes, vous voyez, les petits points noirs ne sont pas faites. Il va falloir faire vos routes commerciales, façon de parler. Pour ça, pour savoir avec qui vous pouvez faire du commerce et acheter ce dont vous avez besoin, il suffit que vous cliquiez dessus. Si vous avez ceci qui apparaît, vous allez pouvoir faire du commerce avec et acheter ce que vous avez besoin. Attention, tout le monde ne vend pas la même chose et pas au même prix. Par exemple, si je vous mets les saucisses ici, le prix moyen en général, au moment précis où je clique, parce que les prix varient, hein, le prix moyen chez tous les commerçants est de 150. Or, eux, vous voyez, ils les vendent à 207. Donc, ils les vendent plus cher que le prix moyen. Donc, il vaut mieux regarder, mettre son jeu en pause et acheter, bien sûr, au moins cher comme vous feriez dans la vie réelle. Ici, vous voyez, vous pouvez commander 10 articles. Donc, si je mets 10 saucisses, je ne vais pas pouvoir, par exemple, si je clique 10 fois sur la saucisse, ça va être complet. Donc, faites attention quand vous commandez de bien mettre tout ce que vous avez besoin. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous allez faire un transport, une fois que vous allez valider, le transport, c'est pas gratuit. Ça coûte 100 pièces. Et je peux vous dire que l'argent part très vite. D'où le fait que je vous parlais des petits parchemins ici. Donc, les verts, vous voyez. Les parchemins que vous gagnez en rumeurs, les rumeurs économiques. Si vous le cliquez ici, vous aurez une remise de tant de pourcents sur votre commande. Après, vous pouvez demander à avoir une livraison express, mais vous allez payer 50 golden de plus. Et attention, vous pouvez vous faire attaquer. Donc, vous aurez la possibilité aussi, selon les endroits, de demander d'avoir, avec les, je crois que c'est les parchemins bleus, d'avoir une sorte de convoi garde du corps, quoi, pour éviter qu'on vous pique ce que vous avez besoin. Donc ici, vous voyez, vous avez plusieurs endroits où vous pouvez faire du commerce. Donc n'oubliez pas de comparer. Et il y en a, vous n'allez pas pouvoir. Alors attendez, il faudrait que j'en trouve une pour vous montrer ça. Ici, je peux. Donc pour l'instant, partout, je peux apparemment. Alors ici, par exemple, le village du sang, je peux. Ici, vous voyez, vous auriez besoin de graisse. Ben, là, pour l'instant, vous ne pouvez pas y accéder. Ici, la dame du besoin, je peux commercer aussi. L'isolte créative, je peux commercer aussi. Il n'y a pas un endroit où je ne peux pas commercer que je puisse vous montrer. Bon, autrement, on le verra un petit peu dans le tutoriel. Je ne peux pas commercer partout. Là, je peux. Alors ici, vous voyez, vous avez aussi cette icône là qui va vous donner les détails sur le lieu. Donc, par exemple, la prairie sucrée. Comme on peut le deviner d'après le nom, le boulanger qui travaille dans cette petite boulangerie se spécialise dans toutes sortes de sucreries. Alors, vous voyez ici, on a des points d'interrogation. Non, c'est pas ce qu'il vend. Donc, pour débloquer, tout simplement, il suffit de valider en utilisant 5 parchemins bleus et ça va vous débloquer petit à petit les choses que cette personne vend. Voilà. Parce qu'au début, ben, vous ne savez pas trop ce qu'il vend. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir aussi créer des routes. Donc là, c'est la forteresse. Vous savez que je peux vous montrer où on peut créer des routes. Ici, par exemple, toujours chez le fermier secret. Donc ici, vous avez ce qui vend. Mais attention, ce que vous ne savez pas, ce qu'on a vu avant, c'est des choses que vous allez débloquer. Donc là, pour l'instant, vous ne le verrez pas dans le listing. Donc ensuite, ici, on peut, vous voyez, c'est marqué « Envoie un personnage pour qu'il apprenne une nouvelle recette ». Alors, ce genre de choses, ce sont des recettes que vous allez apprendre. C'est-à-dire que vous allez envoyer vos employés. Quand vous allez cliquer ici, selon les employés que vous aurez, il va vous donner des noms de vos employés qui peuvent apprendre cette recette. Si vos employés n'ont pas les compétences assez élevées ou nécessaires pour apprendre cette recette, ils ne pourront pas.
vous aurez rien et donc vous ne pourrez pas la prendre. Autre chose qu'il faut regarder, c'est ici, vous avez la catégorie de visiteurs que cette recette attire. Donc vous voyez ici, c'est plus la noblesse. C'est une recette qui touche la noblesse. Ensuite, par exemple, si je vais chez les fermiers étonnants, qu'est-ce qu'on me dit? Rien de plus ici. Non plus. Est-ce qu'il n'y a pas une autre recette sur la map que je pourrais vous montrer? Là, on l'a vu ici. Non plus. Évidemment, il fallait que ça m'embête. Non. Ici, village du sang. Alors, village du sang, ici. Ici, vous voyez, envoie un personnage pour qu'il apprenne cette recette. Le potage de bière et de fromage. Ça touche la catégorie des opprimés. Pour l'instant, vous voyez, la jauge est remplie. Votre taverne, elle touche plus les opprimés que les autres catégories. Il va falloir que vous essayiez d'avoir un petit peu de chaque catégorie. C'est le mieux. Mais au départ, au tutoriel, vous ne prenez pas la tête. Mais après, essayez bien d'enregistrer ce qui vous est dit au niveau du tuto. Parce que c'est très important. Tout simplement parce qu'après, quand vous allez passer dans les autres modes de jeu, ou si vous continuez votre jeu après le tutoriel dans le même mode qui est le mode campagne, à ce moment-là, vous allez quand même avoir un scénario qui est mis en place. Et vous aurez des besoins, mais par contre, vous n'aurez plus d'aide. Vous ne serez plus tenu par la main. Donc, enregistrez bien tout ce qu'on vous dit dans le tutoriel, comment il faut faire, quitte à le refaire plusieurs fois, parce que vous allez voir que le jeu n'est pas si évident que ça. Il va y avoir des bagarres, vous allez avoir des clients mécontents. S'ils sont mécontents, ils vont tout vous casser. Ensuite, vous allez voir, il y a énormément d'humour dans ce jeu. Ils vont être bourrés, vous allez voir marcher de travers. Vous faites attention aussi quand vous allez embaucher vos employés, aux traits de caractère de vos employés. S'ils sont fainéants, bien évidemment, ils vont moins travailler. S'ils sont fumeurs, ils vont prendre des postes toutes les 30 secondes. S'ils sont malades, il va falloir les envoyer chez le Toubib tous les 4 matins. Et bien sûr, si en plus ils sont alcoolos pour arranger le topo, là vous aurez le pompon sur le chapeau ou la cerise sur le gâteau. S'il est alcoolique, fumeur et feignant, vous aurez le topo parce qu'en plus, s'il est alcoolique, il va être complètement bourré, votre employé. Non seulement il fera tout au ralenti, mais en plus il vous pique l'alcool. Donc faites attention, on verra ça dans le détail. Mais franchement, il a énormément d'humour ce jeu et je vous le conseille vivement. Donc vous voyez, vous pouvez envoyer pour apprendre des nouvelles recettes et petit à petit, vous allez pouvoir débloquer d'autres endroits selon vos besoins, etc. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps, à mettre votre jeu en pause pour bien regarder, déjà pour commander moins cher, de bien regarder comme vous faites dans la vie réelle. Hein, si vous voyez, je ne sais pas moi, comme il fait chaud et qu'il fait beau, on va dire des glaces, la même glace chez tel magasin, elle est à 30 et l'autre magasin elle est à 10. Je suppose, comme tout le monde, que vous irez acheter la glace à 10 et pas à 30. Donc, il faut bien regarder selon ce que vous avez besoin, sachant qu'ils ne vendent pas tous la même chose. Ensuite, si vous décochez ici, voilà, vous avez ici tout simplement les recettes que vous allez pouvoir faire apprendre à vos employés. Parce que vous aurez des missions ou des quêtes où on va vous dire, il va falloir que tu apprennes des recettes. Ou tout simplement, vous avez envie de varier votre clientèle, vous avez envie d'apprendre de nouvelles recettes plutôt que celles qui sont au départ, et bien tout simplement, au niveau de la map, vous regardez. Donc vous allez cliquer celle-là, on l'a vu, et celle-là, ça toucherait quelle catégorie? Ben, on l'a vu, c'est le potage de bière et fromage, on en a deux au départ. Ça touche les opprimés, donc celle-là, ça serait peut-être sympa qu'on l'apprenne. Ça demanderait... je crois que c'est de la bière, du fromage et des oignons, voilà, ou de l'ail, je sais pas, parce que l'oignon et l'ail se ressemblent assez dans le jeu, donc il faut faire attention à ça. Ok, donc ça, voilà, au niveau de la map pour l'instant on n'a que deux recettes, sachant que quand vous allez envoyer votre cuistot, puisque c'est le cuistot qui va apprendre cette recette, ça va pas être gratuit. Non, la personne qui connaît cette recette, elle va vous dire, ah ben non, moi je te file pas la recette comme ça. C'est un petit peu comme les recettes de famille, vous savez, qui sont secrètes et qu'on ne veut pas divulguer, ça reste dans la famille. Mais là c'est pareil, vous allez vouloir, vous allez envoyer votre perso, puis vous allez avoir un message qui va apparaître, un pop-up, et on va vous dire, ah ben non, le cuistot de tel endroit ne veut pas partager sa recette, à moins que vous lui payiez 200 golden. Alors, faites attention, Yann. Ne prenez que les recettes qui vous intéressent parce qu'à chaque fois, vous allez devoir payer 200 golden pour apprendre une recette. Attention à ça. Donc ensuite, vous avez ici
Les missions ou les objets que vous pourrez débloquer, bon, pour l'instant sur la map on n'en a pas, mais quand vous cliquerez ici, vous aurez des objectifs. Alors ça va être par exemple des installations, vous allez débloquer des nouveaux lits, vous allez débloquer des nouvelles tables, vous allez débloquer des décorations, vous allez débloquer plein de choses et vous devrez envoyer votre personnage dont le nom, par exemple si j'avais une décoration, je ne sais pas, ici, comme pour la recette, j'aurai un nombre de personnes, je l'envoie, il y va. De façon à ce que, par exemple, je puisse améliorer mon auberge. Parce qu'au départ, je peux vous garantir que ça va pas être du luxe. Hein. Ça va être vraiment une taverne un petit peu miteuse. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ici, vous avez le mode construction. Voilà. Donc, vous voyez, ça se passe sous forme de carré. Donc, vous allez pouvoir soit agrandir votre auberge en y mettant des chambres. Il y a des portes, vous allez voir. Les portes, voilà, qu'il y a, vous avez tout un choix de portes, donc là, c'est à vous de le customiser comme vous voulez quand vous serez dans votre partie propre. Là, pour l'instant, c'est tuto, donc les portes sont déjà mises. Vous avez les fenêtres, voilà, elles sont toutes au même prix, 50 golden. Donc, vous pouvez, voilà, selon après comment vous allez jouer, selon les personnes que vous allez avoir. Par exemple, si vous mettez en bas les pauvres, vous pourrez mettre en bas, en haut, par exemple, si vous faites un étage, les riches, etc. etc. Là, c'est vous qui organiserez votre taverne comme vous avez envie. Et vous allez pouvoir la customiser, la créer comme vous en avez envie. Et c'est assez sympa. Vous allez aussi pouvoir changer, par exemple, l'état des murs. Si vous voulez que ce soit plus douillé chez les riches et moins douillé chez les pauvres. Vous allez pouvoir changer les sols. Vous allez pouvoir donc faire un étage en mettant évidemment des escaliers et évidemment des toits. Donc ça, c'est au mode construction. Vous allez donc pouvoir construire, vous allez pouvoir agrandir vos pièces ou supprimer. Ok? Mais ça, on le verra. Ici, vous avez le mode ameublement. Donc pour l'instant, on ne voit rien ici parce que je n'ai pas commencé le tutoriel. Donc on ne va pas le voir pour l'instant. Ici, vous avez votre livre. Vous aurez des informations ici, mais surtout ici. À chaque fois, vous allez avoir des objectifs. Ils vont être écrits ici. Et à chaque fois, vous allez devoir, quand ils seront validés, vous allez pouvoir récupérer la somme d'argent. Donc, par exemple, ici, je ne sais pas, si on me demande de poser 4 tables, ça sera marqué. Poser 4 tables, ça va faire une petite musique ding-dong. Et ici, on va vous dire que vous pouvez récupérer la récompense. Cette récompense, ce n'est pas de l'argent, c'est des points de dynastie. Oh là là, je suis avec Medieval Dynasty, donc dynastie, non, de renommée. Ce sont des points de renommée. Ces points de renommée, vous allez pouvoir les utiliser ici. Vous voyez, bon, pour l'instant, je n'en ai qu'un de disponible. Vous avez un arbre de compétences. Alors, pour l'instant, vous voyez, ici, tout petit. Donc, avec la molette de la souris, vous zoomez. Et avec le point, vous allez pouvoir débloquer, par exemple, ici, soit... J'ai pas le choix parce que c'est le tuto, mais vous verrez que vous, dans votre partie libre, vous partirez sur ce que vous voulez au niveau des branches. Hein. Donc là, vous pourriez partir, là, on va être obligé de partir, si on mettra le point là, sur les hors-la-loi, pour avoir un peu plus de hors-la-loi dans la taverne. Mais vous allez pouvoir partir, par exemple, sur de la noblesse, si vous préférez, sur la noblesse, vous allez pouvoir partir sur les bourgeois, vous allez pouvoir partir sur les rangs d'honneur. Voilà. Et chaque catégorie va vous débloquer, vous voyez, un certain arbre de compétences différent selon leurs besoins. Donc là, c'est vous qui verrez comment vous voulez monter tout ça. Ici, vous pouvez changer le nom de votre taverne. Donc, je vais dire par exemple au bon coin, hein, je mets un nom au pif. C'est juste pour vous expliquer un petit peu la base de départ. Voilà, donc mon auberge s'appellera au bon coin, vous l'appellerez Tartifleflock si vous en avez envie, ou chez les bourrés. Là, c'est vous qui verrez comment vous l'appelez votre auberge. Le nombre des invités satisfait, le nombre d'invités satisfaits nécessaire pour un nouveau point de renommée. Donc voilà, il faut au moins que vous qu'un client soit satisfait pour avoir un point de renommée de plus. Ok? Donc jusque là c'est bon. Et si par exemple il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, il y a un petit onglet ici qui vous permet de retourner dans un espèce de glossaire qui va vous permettre, qui va vous expliquer exactement comment tout fonctionne, les trucs et astuces, comment les animaux, les mises à jour, les stats, votre journal, les fenêtres d'entrepôt, comment aller sur la carte du monde. Vous aurez tout qui est expliqué ici. Ensuite ici vous avez les employés. Alors pour l'instant c'est Martine, hein, puisque c'est notre oncle, ok. Donc, c'est notre oncle qui est ici.
Donc Martin se regarde, on peut avoir des informations sur lui en cliquant ici. Normalement, ouais, s'il veut bien. Je ne l'ai pas sélectionné, voilà, parce que je ne l'ai pas sélectionné. Donc ici, vous voyez que Martin, il a des caractéristiques. Il est loyal, donc cet employé a souffert beaucoup dans sa vie. Maintenant, il a besoin de compagnie, d'un sentiment de sécurité, de stabilité. Mais en retour, il sera fidèle comme un chien. Ici, il est gay. Et ici, il est vaillant. Voilà. Donc, si on appuie ici, on peut ensuite donc, voir, revoir ici les caractéristiques. Vous avez l'endurance du personnage, son humeur et sa loyauté. Attention, plus vos employés vont travailler, plus ils vont être fatigués. Ils vont prendre des pauses. Donc, il va falloir agencer aussi votre taverne de façon à ce que vos personnages ou vos employés n'aient pas 50 millions de pas à faire. Parce que plus ils vont se déplacer, plus ils vont être fatigués, moins ils vont bosser. Et surtout, faites attention aux traits de caractère ici présents. Ensuite, vous avez un deuxième onglet ici où vous verrez sa paye. Bon, lui, c'est le patron, donc il ne se paye pas, il ne se donne pas de salaire. Ici, ben, c'est à vous de voir si vous voulez que votre employé se concentre sur la qualité du travail à faire, sur la rapidité du travail à faire ou sur la commodité. Donc, lui étant le gérant au départ, ben évidemment, il va tout faire. Donc, on va le mettre en haut un petit peu partout. Voilà. Le travail en cuisine, peut-être pas parce qu'il ne travaille pas en cuisine. Hein. Le tonton, on va avoir un cuistot qui va faire ça. Donc, on va le mettre en bas. La manutention, oui, parce que ça va aider. Le service, il va aider. Le nettoyage, il peut aider. La gestion de l'auberge, effectivement, c'est important. Et les commérages, bien sûr, qu'il va écouter pour qu'on puisse avoir des petits points ici. Voilà, donc là, on a fait notre tonton. Donc ça, n'oubliez pas de le faire pour tous vos employés. Donc au niveau des employés, vous avez ce qu'on appelle les ouvriers, les manutentionnaires, qui vont se charger, quand vous faites des commandes pour vos recettes, pour votre taverne, qui vont se charger. Alors, si vous ne mettez pas la palette ici disponible, c'est pas grave. Le stock vous sera posé ici. Donc, ce sont les manutentionnaires, les ouvriers, qui vont aller ici chercher les livraisons, enfin, ce que vous avez demandé comme commande, et qui vont les ranger dans les stockages appropriés que vous aurez mis. Ici, vous avez aussi les bonnes. Vous avez, bon, et bien, les bonnes, c'est les serveuses, les femmes de chambre, etc. Oui, parce que vous avez plusieurs échelons dans les employés. Ah, ça fait beaucoup de choses à enregistrer. C'est pour ça que je vais vous faire en plusieurs fois. Là, on reste dans la présentation et dans l'explication. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Et je sais que si vous comprenez pas, vous n'hésiterez pas à me le mettre en commentaire. Ensuite, vous avez les cuistots. Les cuistots, ils font quoi? Ben, ils font la cuisine. Ça, je vous l'apprendrai pas. Pareil, ils ont différents niveaux. On les verra par la suite. Vous avez après les gardes, plutôt les videurs. Ben oui, vous allez avoir des bagarres dans votre taverne. Et les bagarres, ça entraîne trop. Ça entraîne quoi? Ben, ça entraîne tout simplement qu'ils risquent tout vous casser. Et si vous cassez des choses, va falloir les remplacer. Ou alors, va falloir les réparer. Tout ça, ça va coûter soit de l'argent si vous le remplacez, soit ça va vous coûter ce que vous avez en stock, c'est-à-dire du bois pour réparer, etc. Donc c'est du bois perdu parce que vos invités auront pété les affaires. Donc des fois, c'est pas plus mal d'avoir des gardes, mais moi pour l'instant, j'en ai pas trop eu besoin. Je n'ai pas eu de bagarre, donc j'ai pas eu de problème de ce côté-là. Et après, vous avez bien entendu les escrocs. Ensuite, ici, vous avez, comme vous pouvez vous en douter, la marmite. Donc c'est le menu de l'auberge. Donc vous verrez que selon ce que vous aurez, vous allez devoir créer un menu. C'est-à-dire ce que vous allez mettre à la carte. Hein, comme dans un resto, vous prenez une carte et on vous dit, on vous propose ça, on vous propose ça, on vous propose ça. Donc faites attention de mettre à la carte, au menu, des choses qui plaisent aux catégories les plus hautes qui sont dans votre auberge. Si par exemple vous n'avez aucun noble, n'allez pas utiliser ou mettre à la carte des choses pour les nobles, parce que ça ne va pas automatiquement plaire par exemple aux pauvres. Ça, c'est pas possible. Donc faites attention à ça. Ici, vous avez le nombre de salles que vous avez. C'est-à-dire que si vous faites une, vous pouvez par exemple augmenter la pièce au niveau argent qualité en la décorant. Alors bien sûr, selon les persos opprimés vont plutôt aimer les décorations festives, comme je vous ai dit, etc. Ou alors, les riches vont aimer plutôt la luxure.
Les hors-la-loi, eux, vont plutôt aimer être dans des pièces sombres. Alors vous allez me dire, oui, mais attends, le terrain, il n'est pas super grand. Comment je vais faire? Je ne vais pas faire 50 pièces, mais vous pouvez faire deux étages. Mais aussi, vous pouvez, par exemple, faire un petit coin là, ici pour les pauvres. Ici, ben, mettre une ou deux tables un petit peu plus sombres avec des décorations de crânes, de chaînes ici. Et ici, plutôt festive. Vous allez le voir, quand on va faire le tutoriel, on va avoir un scénario qui va se mettre en place. Et justement, ça va toucher ces deux classes et vous allez voir que c'est pas si évident que ça. Donc, voilà, vous pouvez quand même arriver à mixer. Puis après, vous allez pouvoir petit à petit en gagner de l'argent, agrandir votre taverne, la changer, casser, reconstruire, etc. Donc vous inquiétez pas pour ça, il est assez, comme je vous ai dit, complet comme jeu. Ici, vous avez votre inventaire. Pour l'instant, on n'est pas très riche, hein, on a 10 bougies, super. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand dans votre inventaire, vous avez ici un petit œil, et vous voyez, ça va se mettre normalement, si je ne dis pas de bêtises, si je fais ça, voilà, je le sélectionne, je fais ça, et vous voyez, ça s'affiche ici en bas. Ça vous permet plutôt qu'à chaque fois dans le stockage, dans votre entrepôt, pour savoir ce que vous avez, ben ici vous l'affichez, comme ça vous vous dites, hop là, j'en suis plus qu'à 3 barils de machin, ils m'ont tout bu, vite je commande, comme ça vous tombez jamais à 5. Les bougies, il faut savoir une chose, on est à l'époque médiévale, on va en avoir énormément besoin, parce que effectivement, tout ce qui est lumière, c'est à la bougie. Et ben oui, il n'y avait pas d'électricité à l'époque médiévale, hein, donc... voilà, va falloir avoir quand même du stock de bougies, va falloir avoir des stocks de bois, parce que ben, ça marche au bois, on n'avait pas l'électricité. Donc tout ce qui est réchaud, etc., pour faire la popote, tout ce qui est, par exemple, va falloir un puits pour laver la vaisselle, parce que c'est dans des bidons qu'on lave la vaisselle. Et petit à petit, vous allez débloquer des objets qui vont monter en qualité sur la carte. Vous allez débloquer certains nombres de choses selon l'ordre de compétences que vous avez eu auparavant. Et vous allez pouvoir débloquer des objets un peu plus luxueux et pouvoir monter votre taverne. Mais au début, vous allez partir avec ce qu'on appellerait une poubelle. Ouais, ouais, le terme est bien approprié, une poubelle. Donc au niveau de votre entrepôt, pour ne pas vous embêter, vous sélectionnez ben, tous les objets que vous avez, vous cliquez sur le petit œil, vous aurez tout ici. Et au moins, vous ne serez pas... vous dire, ah ben mince, pourquoi? Mais pourquoi ils buvent pas, ils boivent plus, pardon, je comprends pas. Ben tout simplement parce qu'il n'y a plus de verre, ou tout simplement parce que l'autre n'a pas fait la vaisselle, ils ont plus de verre, ils ont plus d'assiette. Enfin, ça vous dira de toute façon ce qui manque. Ici, vous avez la fenêtre des invités, ça vous relate ici tout simplement les personnages que vous avez dans votre auberge. En plus ici de la jauge qui vous dit le nombre de personnages que vous touchez le plus, ou à qui votre auberge plaît. Ben ici, vous pourrez voir ben, que vous avez, par exemple, un bourgeois qui se balade par là. Ben, qu'est-ce qu'il faisait là, on ne sait pas. Mais enfin, bon, voilà. Vous pourrez voir ici tous les invités qui sont là. Ici, vous avez vos statistiques. Excusez-moi, il y a dehors un petit schtroumpf qui hurle. J'en suis navré. Donc, ici, vous avez votre chiffre d'affaires qui est à zéro pour l'instant, puisqu'on n'a pas commencé à jouer. Vos dépenses, vos profits. Vos invités, votre nommée, ici vous avez effectivement, vous voyez, le total des invités, ça vous dira les personnages que vous touchez, les classes que vous touchez le plus, les revenus que vous avez, la satisfaction des catégories, donc à ne pas prendre à la légère, et pourquoi ils ont été, et le nombre qui ont été mécontents. Par exemple ici, vous en avez eu 10, il y en a peut-être 2 qui vont être mécontents, donc il va falloir faire attention à tout ça. Ici, vous avez le nombre d'invités à satisfaire nécessaire pour avoir un point de renommée. Donc, ça va se marquer là. Et vous verrez ici combien de temps il vous reste avant d'avoir le prochain point pour pouvoir le mettre dans l'arbre et débloquer de nouvelles choses. Ici, j'ai accès. Donc, c'est la consommation des matières premières. En fait, c'est le petit, je dirais, le carnet comptable de votre taverne, tout simplement. OK ? Et ici, ben, c'est les paramètres du jeu. Donc, vous pouvez effectivement changer la résolution d'écran, etc. Par contre, vous ne pouvez pas rebagner les touches. Ça, c'est un petit peu embêtant parce que ce n'est pas un clavier français. Et on ne peut pas rebagner les touches. Ça m'a un petit peu gêné. J'ai eu un petit peu de mal à le prendre en main. Mais bon, ça se passe assez vite. On y arrive. Voilà. Donc, on en est à 45 minutes. Je vous aurais donné... déjà les premières informations du jeu. Ce que je vous propose, c'est qu'en la prochaine vidéo, on commence le tutoriel. Comme ça, vous avez déjà les bases qui vous sont expliquées. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne
à mettre un petit pouce en l'air, à me mettre un commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Et dans le prochain épisode, on attaquera le tutoriel avec le scénario qui va avec. Bien sûr, c'est pas un tuto, vas-y, fais ci, fais ça, pose ça, pose ça. Il y a un scénario avec, vous verrez, et c'est relativement sympa. Donc sur ce, je vous fais plein de bibi, plein de zouzous, et on se retrouve très vite pour la partie 2, c'est-à-dire, ou la partie 1, je sais pas comment je renommer, peut-être celui-là, je vais l'appeler, ouais, je pense que celui-là, je vais l'appeler présentation, et après, on fera tuto partie 1, tuto partie 2, tuto partie 3. Pourquoi ? Alors, je verrai, peut-être une partie, deux parties, trois parties. Je ne sais pas comment je vais faire parce que le tutoriel est assez long, tellement il y a de choses à expliquer. Et vu qu'il faut suivre aussi le scénario qui est demandé, je ne sais pas en combien de parties je vais vous faire le tutoriel. Mais bon, en tout cas, j'espère que ce jeu vous aura plu. Je vous promets qu'il est vraiment intéressant. Moi, je suis surprise à y jouer des heures sans me lasser, à me marrer toute seule par rapport à des choses qui se passent. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et puis, si ça vous plaît, bah, écoutez, on continuera. On fera les parties tutoriel, puis on continuera l'aventure si ça vous intéresse. Pour ça, ben, pas de problème, vous abonnez à la chaîne YouTube, un commentaire, un pouce en l'air. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir et je prendrai toujours le temps de vous répondre sur ce plein bibi, plein zouzou. Et on se retrouve pour la suite et la partie 1 de l'histoire de Crossing Worlds. Allez, plein bibi, plein zouzou et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!